Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 5 février. Voici le sommaire de votre édition. Des contrôles de police sur l'Aigle aux Lanciévins pour le respect du couvre-feu. Une déconstruction pour une reconstruction à Lens. Des Liévinois en renfort au Leclerc Drive. Notre coup de loupe du jour part à la rencontre de stagiaires en restauration. À la fin de ce JT, retrouvez la rediffusion d'un reportage en hommage à Monsieur Charles de Porter. Mais tout de suite, la subvention Aigle aux Lanciévins de 1 500 € prolongée jusqu'au 31 mars 2021. Mise en place par la communauté d'agglomération de Lens-les-Vins pour soutenir les commerces affectés par le confinement, la subvention de 1 500 € déjà distribuée pour plus de 500 commerces est prolongée jusqu'au 31 mars 2021. Votée en conseil communautaire le 28 janvier dernier, cette aide est débloquée en moyenne sous 5 jours, réservée aux commerçants et artisans indépendants d'une surface de vente inférieure à 300 m² sur l'agglo Lens-les-Vins. Elle est accordée aux établissements inscrits au registre des commerces ou métiers ayant un effectif entre 0 et 20 salariés, un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions d'euros et l'entreprise doit être à jour de ses cotisations et avoir subi une fermeture administrative. Si vous êtes dans ces cas-là et n'avez pas encore fait votre demande, vous avez jusqu'au 31 mars 2021 pour vous rendre sur le site de l'agglo Lanciévin pour retirer votre dossier. Depuis le 16 janvier dernier, les déplacements sont interdits de 18h à 6h du matin. Afin de faire respecter le couvre-feu, des opérations de contrôle routier sont menées partout en France. Sur notre territoire, l'une de ces opérations s'est déroulée à Lens samedi soir, sous la supervision de Jean-François Raffi, le sous-préfet de l'arrondissement de Lens. Sur l'ensemble du département, le préfet a demandé aux forces de l'ordre, police et gendarmerie, d'effectuer des contrôles pour veiller au respect du couvre-feu. Donc on peut penser qu'effectivement le samedi soir et le week-end, certains de nos concitoyens seraient enclins à ne pas respecter ce couvre-feu. Et donc les forces de l'ordre sont ici sur l'entrée de la ville de Lens pour contrôler la situation des personnes qui circulent à 7h vers 19h. Un contrôle majoritairement bien accepté par les automobilistes. Ce qu'on peut constater, c'est que dans l'ensemble, nos concitoyens respectent la règle du couvre-feu. Là, vers cette heure-là, on a des gens qui rentrent du travail. Plus tard dans la nuit, on a quelques individus qui circulent, qui souvent ont d'autres activités pas très légales. Et donc, ça permet justement de les contrôler plus facilement et d'engager les poursuites nécessaires à la rencontre. Il n'y a pas de tolérance, là il est 19h. Donc, les personnes qui rentrent du travail ou qui vont au travail, je pense notamment aux personnels médicaux, donc ils peuvent circuler, mais ceux qui sont totalement en dehors de ces créneaux-là, seront sanctionnés. Une sanction de 135 € pour tout contrevenant, afin de rappeler l'importance de stopper la pandémie. La question, c'est de se préserver et surtout de préserver la santé des autres en évitant les transmissions. Et donc, globalement, on peut constater, je le disais tout à l'heure, un respect des règles sur l'arrondissement de Lens. Mais il faut être vigilant pour ceux qui n'ont pas compris le message. Travaux à Lens mardi dernier avec deux imposantes grues de plusieurs tonnes qui ont pris place rue François Gauthier pour entamer la déconstruction du bâtiment de l'ancienne caisse primaire d'assurance maladie. À la place de cet immeuble, vide depuis une dizaine d'années, c'est une résidence d'une soixantaine de logements locatifs de type 2 à type 4 qui verra le jour. Donc effectivement ce matin c'est le démarrage de la déconstruction de l'immeuble de la caisse primaire d'assurance maladie. Je dis bien déconstruction, c'est pas une démolition en centre-ville, c'est un découpage à dose homéopathique et puis avec un retraitement de la totalité des déchets. Et avant de commencer cette déconstruction, il fallait purger l'ensemble du bâtiment, et ce qui a été fait depuis début janvier. Et pour la déconstruction et la promotion immobilière que j'ai entrepris,
pour la création de 66 logements. Aujourd'hui, on est victime du succès de cette promotion parce que tout est vendu. C'est le démarrage d'un des projets de restructuration de la ville et qui est porté là depuis quelques années avec Dominique Ouzio et des promoteurs. Et là, aujourd'hui, on commence concrètement à pouvoir entrevoir la solution avec la première déconstruction qui aboutira derrière sur la réalisation d'un beau projet qui s'intègre dans ce qu'on attend du centre-ville avec cette évolution en termes de peuplement, parce que d'anciens bureaux désaffectés, on en arrive sur une solution de logement pour la population. La démolition de l'immeuble devrait durer environ 15 jours, auquel il faudra ajouter un mois et demi pour le traitement et l'évacuation de l'ensemble des déchets. Durant cette période, l'accès à la circulation rue Guilin-Decombec risque d'être assez perturbé, voire bloqué pendant ces travaux. Une partie de la rue François-Gauthier sera fermée. La livraison des logements est quant à elle prévue pour le premier trimestre 2023. Avec l'arrivée de la Covid sur le territoire, les drives connaissent un franc succès. Au Leclerc Drive de Liévin, il est désormais possible de se faire livrer à domicile grâce à Shopopop. Avec la société donc Shopopop, donc les gens donc en passant leur commande comme habituellement, à la fin donc avant de valider, on leur demande donc s'ils veulent venir chercher leur commande sur place ou s'ils veulent qu'on vienne la ramener. Implanté depuis un an, Leclerc Drive a créé de l'emploi sur le territoire. J'en suis particulièrement heureux parce que lorsqu'un maire fait la publicité de sa commune, lorsqu'un maire essaye de faire venir les entrepreneurs à Liévin en le faisant effectivement, en signalant que la commune va les accompagner, que la commune va faire en sorte qu'ils puissent se développer, on est heureux que cela profite d'abord à sa population. Et c'est vrai que je remercie M. Giorgio qui a recruté une majorité de Liévinois dans son magasin, dans son drive. Au total, ce sont 21 CDI. Responsable, préparateur de commandes, réapprovisionneur ou encore livreur. Lorsque le client commande, cette dernière est dispatchée entre différents secteurs, le frais, le surgelé ou encore les fruits et légumes. J'ai une commande, je vais valider. On mélange pas les produits, tout ce qui est parfumerie et alimentation. Voilà, j'ai terminé ma commande. J'ai envoyé la caisse pour mes collègues par le biais du toboggan. Et voilà, et les collègues vont se charger de la livraison. Les commandes sont ensuite vérifiées par un tableau récapitulatif. Grâce au tableau de supervision d'activité qu'on a juste à l'entrée de l'entrepôt, c'est un tableau qui nous permet de voir l'avancée dans tous les secteurs des préparations des commandes, de tous les secteurs, l'ambiant, la mezzanine, les frais. Et ça nous permet aussi de suivre l'avancée des livraisons, le temps de livraison qu'on met, le numéro de la piste. Et comme aujourd'hui, sur une journée comme aujourd'hui, sur une journée à 287 commandes, on peut voir qu'on fait 87 livraisons entre 17h et 17h45. Avec le couvre-feu, les gens viennent plus vers la fin de journée. Grâce à Leclerc Drive et à Shopopop, vous pouvez commander et être livré jusque 17h45. Des locaux flambant neufs, salles de cours, cuisine pédagogique, ateliers, restaurants. Ici à Lens, les Halles de la Formation ont ouvert leurs portes en septembre dernier. Donc les Halles de la Formation, c'est quoi ? C'est une fusion en fait de deux organismes de formation qui sont Resto Formation, qui est un organisme de formation hôtellerie-restauration, et également de Distri Formation, qui est un organisme de formation dans grande distribution et commerce. Et nous avons décidé de réunir ces deux pôles afin de créer une entité qu'on appelle les Halles de la Formation pour pouvoir proposer plusieurs formations au public qui souhaite engager un parcours dans ce secteur. Resto Formation accompagne les restaurateurs du territoire depuis 15 ans et forme ses apprentis jusqu'au CAP, CQP et autres diplômes de certification. Là, actuellement, nous sommes à 40 apprenants au sein de notre établissement. Donc ces 40 apprenants travaillent en alternance. Donc c'est une alternance entre une partie formation et une partie également pratique en restaurant. Alors effectivement, la partie pratique en restaurant en ce moment n'est pas très,
très loquace avec les fermetures et un petit peu en travaille sur emporté, ce qui fait qu'en fait nos candidats, on les a récupérés énormément chez nous afin vraiment de les professionnaliser au mieux dans leur discipline et leur futur emploi. Et pour ça, ils peuvent compter sur l'expérience du chef David Vivier, leur formateur. Là, ici, on se trouve dans la cuisine pédagogique, c'est-à-dire là où on apprend les bases de la cuisine, de la gastronomie française. Donc là, aujourd'hui, on est sur un atelier Chandeleur. On a réalisé des crêpes, des beignets, des gaufres de Liège. Donc là, ils sont tous ici en autonomie, plus ou moins. Bon, je les épaule un peu. Il faut savoir que la cuisine, c'est quand même un métier qui passe par la pratique. Donc plus on va travailler le produit, sentir les choses, et c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on avance dans ce métier, quoi. Alors là, on va rentrer dans la partie restauration des halles. Et de resto-formation, c'est là où en fait nos jeunes apprenants serveurs, barman, peuvent s'exercer tout simplement. Et effectivement également déguster, qui est une partie plaisante du métier. Au menu, Chandeleur oblige, une crêpe Suzette flambée au Grand Marnier, réalisée par Constance. Elle est en CAP hôtel café restaurant et n'attend qu'une seule chose. D'être embauchée, où est-ce que je travaille, ce serait déjà pas mal. Et après, par la suite, on verra bien. Déjà, mon but, c'est d'avoir mon CAP. L'année dernière, 96% des contrats en alternance ont débouché sur un CDI. Cette année, malgré la crise, les aides de l'État devraient permettre de garantir une situation aux jeunes diplômés. La formation est ouverte à tous, bien sûr. Alors, du moins à tous, avec une personne désireuse d'apprendre et de comprendre ses corps de métier. Alors pour participer, c'est via une offre d'emploi que l'on diffuse et avec laquelle on établit des entretiens et des liens assez étroits avec tout ce qui va être agents territoriaux tels que les pôles emploi, les missions locales et les maisons de l'emploi également. Les halles de la formation devraient également ouvrir leurs portes aux particuliers dès que la situation le permettra sous forme d'atelier. En attendant, vous pouvez suivre les recettes du chef David sur les réseaux. On est sur un sabayon de champagne au feu. Bonne dégustation, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.